Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo présentation création. Alors, désolée pour la luminosité, mais je filme en fin de soirée. Donc, automne, qui dit automne dit luminosité amoindrie. Donc, c'est lumière artificielle. Donc, j'espère que ça va aller. Comme vous voyez, présentation un peu Halloweenesque, puisque je vais vous présenter des créations sur le thème d'Halloween. J'ai participé ce mois-ci à l'échange organisé par le groupe Facebook Evency Scrap. Je vous mettrai le lien, bien sûr, en barre d'infos vers le groupe. Donc, fallait faire un échange Halloween. Fallait se mettre d'accord avec notre binôme pour les créations qu'on pouvait s'échanger, en sachant qu'il y avait bien sûr des friandises à mettre et une carte originale. Donc du coup, je vais vous montrer moi ce que j'ai réalisé, et puis voilà, j'espère que ça va lui plaire. De toute façon, vous verrez cette vidéo qu'une fois qu'elle aura reçu cet échange, donc on a, entre guillemets, j'allais dire pour ordre, mais c'est pas vraiment ça, mais il faut qu'on ouvre le colis qu'au 1er novembre, comme ça, la période d'Halloween, on sera en plein dedans. Donc, je vais enlever mes petites découpes, voilà, c'était juste pour petite déco. Je vais vous présenter ceci. On va déjà partir sur la carte. Alors, la carte, en fait, je me suis servi de ma Cricut et j'ai fait ceci. Donc ça, c'est une découpe que vous pouvez retrouver sur le Cricut Access, donc là, entre guillemets, l'abonnement Cricut. Voilà, j'ai voulu partir sur une découpe comme ceci. Je trouvais ça original, on voyait pas ça partout. Et j'ai mis ma tête sur un fond orange. Voilà. J'ai pas mis de sentiment parce que au départ je voulais rajouter un petit sentiment et finalement je me suis dit non, c'est très bien comme ça. J'avais pas envie de trop charger la découpe avec un sentiment. Derrière, bien sûr, il y a mon petit mot. J'ai rajouté une petite déco avec une découpe araignée. Donc voilà pour la petite carte que moi je lui ai réalisée. Ensuite, il fallait réaliser une guirlande. Alors moi c'est pareil, je suis partie avec la Cricut. J'ai fait une guirlande. Je vais vous montrer, je vous la prends dans le bon sens, ça serait peut-être un peu mieux quand même. Donc voilà la guirlande. Alors je vais pousser un peu ça. Donc j'ai pris du petit cordon comme ça dans les tons jaunes pour faire le côté un peu automnal Halloween. Et j'ai fait des petits fanions comme ceci. Vous voyez, araignée, le chaudron et le chapeau de la sorcière. Donc voilà ce que j'ai fait en guirlande. Alors, j'aurais à la base, je voulais la décorer encore un peu plus, mettre des découpes, peut-être là entre mettre des petites toiles, enfin pas toiles d'araignée, mais des petites araignées. Mais pareil, je me suis dit, je voulais pas faire beaucoup plus, j'avais peur qu'en plus ça ne tienne pas ou que ça s'enlève dans l'envoi. Donc voilà, je suis restée assez simple. J'aurais pu mettre aussi un fond en orange, mais non, je trouvais ça bien comme ceci. Donc je l'ai réalisé comme ça. Voilà. Elle est assez simple, mais voilà, j'ai fait les découpes à la Cricut. Hop, ça c'est très facile à faire. Donc ça pour la guirlande. Ensuite, on s'était mis en accord à faire une pocket letter. Alors moi, je ne l'ai pas encore fermée puisque je vais l'entourer, je vais la décorer un petit peu en l'entourant, mais ça, je ne vous ferai pas voir. Et donc moi, j'ai utilisé la collection. Je sais pas si vous avez reconnu puisque j'ai travaillé avec il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est là, vous voyez pas grand chose. Alors je vais vous remonter un peu. Voilà, donc je vais la collection, donc ce qui s'appelle Les Contes Macabres de chez Scrap by Fleur de Lune. Je ne sais pas si vous avez reconnu. Donc j'ai pris un papier de la collection et j'ai rajouté quelques petites décos. Donc là vous voyez, il y a des petites fleurs que j'ai mis sur le dessus de la pocket letter, les petits mots comme ceci là, là il y a le mot joyeusement effrayant, là il y a le mot frisson et là il y a âme damnée. Ça sont à l'intérieur, ils sont collés sur les cartes. Ensuite j'ai mis quelques petites découpes chauve-souris qui sont pareilles sur le dessus et ça, si vous l'avez pas reconnu, c'est un des nœuds que j'avais fait avec le dice que j'avais eu la chance d'avoir grâce au partenariat Globland, donc je trouvais qu'il allait bien avec, donc je l'ai mis là. J'ai pas voulu non plus trop décorer cette partie là parce que franchement elle se suffit à elle-même, donc j'ai laissé comme ceci.
Je trouve que c'est très bien comme ça. Et donc à l'arrière, bien sûr, il y a des petits cadeaux. Alors j'ai mis pas mal de découpes et de tamponnage. Alors vous avez là et là des découpes de la collection Scrap by Fleur de Lune, donc les contes macabres. Là et là, c'est des étiquettes de la collection. Là, c'est des tamponnages de la collection Shoe and Flowers, là, la dernière qui s'appelle Cabinet de Curiosité, je cherchais. Là, il y a des tamponnages de la dernière capsule de Scrap Didi sur le thème Halloween. Là, c'est des tamponnages de la dernière collection de chez Sokai, qui s'appelle So Charming. Là, c'est des stickers un peu automnal, ça fait moins Halloween, mais bon, je me suis dit, on reste quand même dans le thème automnal. Et là, c'est des petits sequins, alors, je ne vais pas vous les sortir, mais c'est des sequins sur le thème d'Halloween. Donc, il y a des petits fantômes, chauves-souris, voilà, des petites choses comme ceci. Donc voilà, je suis partie vraiment sur la pocket letter plus découpe, tamponnage. Donc voilà pour la pocket letter. Donc là, moi je vais la replier. Je vais l'entourer, je pense, de fausses toiles d'araignée. Puis voilà, je vais peut-être m'en mettre de petites araignées. Je vais voir comment je vais présenter. Mais voici comment elle se présente. Et ensuite, alors moi je lui avais proposé une autre création qu'on pouvait s'échanger, donc je suis partie dessus. J'ai fait une embellissement de box sur, je vais dire sur le thème, avec les papiers toujours de chez Scrap by Fleur de Lune, donc les contes macabres. Donc ça c'est un papier de la collection, j'ai maté sur un papier noir mais vraiment très finement, vous voyez. J'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, de la fausse toile d'araignée. Ah, c'est flou, vous n'allez rien voir du tout. Je vais la poser. Voilà, donc là il y a de la fausse toile d'araignée. Et là j'ai rajouté une petite composition florale sur le dessus. Avec conte macabre, comme ceci, qui est mis un petit peu en 3D. Désolée si vous entendez mes enfants, mais je filme, c'est les vacances. Donc forcément, elles sont là. Et donc quand on ouvre... Donc j'ai utilisé une boîte de chez Action. Vous savez, celle qu'on trouve dans le rayon bricolage. Quand on ouvre, c'est comme ceci. Alors là, j'ai juste mis un papier de la collection pour décorer, comme ceci, un papier de fond. Et voilà. Donc après, vous mettez ce que vous voulez. Je rajouterai peut-être quelques petites choses, parce que j'étais pas sûre de ce que j'allais mettre dans ma pocket letter. Donc je vais voir, je vais peut-être rajouter. Donc là, j'ai mis voilà, des petits embellissements, comme ceci, Halloween. Un petit paquet de bonbons. Là, il y a des découpes, il y a un ruban et des découpes. Il y a une découpe petit nœud, là, comme ceci. Là, j'ai mis des cachets de... Pas des cachets de cire, aussi des cachets de cire sur le thème d'Halloween. Et je lui ai fait deux petits embellissements tag maison, comme ceci, avec les dice cuts de la collection. Le dice que j'ai utilisé pour faire le tag comme ceci, en rond, c'est un dice de chez Comptoir du Scrap. Voilà. Donc peut-être que je vais lui rajouter par-ci par-là quelques petites choses, je vais voir. Mais voilà, je voulais vous la faire la vidéo maintenant parce que après il va faire nuit et je me suis dit au niveau luminosité ça va être encore pire même si là c'est déjà bien, bien sombre. Donc voilà, petit échange d'Halloween. J'espère que ça lui aura plu. Bien sûr, je vais lui rajouter des friandises hein, comme c'est prévu, c'est normal. C'est Halloween, donc je vais lui rajouter ça dans le colis. Donc j'espère que ça lui aura plu. Donc, et vous, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous voulez une vidéo un peu explication sur l'embellishment box ou sur la pocket letter pour les débutants, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça sera avec plaisir. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt pour de nouvelles créations.